Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 27 mars 2019. Barthélémy avec vous en compagnie, en direct du nid des Alouettes, Luc Dansereau. Okay. Ben oui, ben on n'est pas dans le nid des Alouettes quand même. Toi, tu es toujours dans le nid des Alouettes. Je suis toujours dans le nid des Alouettes. À partir de maintenant, je déclare Luc Dansereau dans le nid des Alouettes. Ben, c'est gentil, je ne sais pas comment réagir. Merci beaucoup, Martin, de me rappeler d'excellents souvenirs. Sois touché, un jour. Je suis touché. Sois touché. Je suis touché. Le Canadien qui l'a emporté hier facilement 6-1 face aux Panthers de la Floride. Par contre, des mauvaises nouvelles pour le Canadien, que ce soit Paul Byron. Je ne sais pas si tu as vu la mise en échec sur Brett Kulak en troisième période. Oui. pas en train de dire qu'il s'est fait disloquer l'épaule, mais je suis certain que s'il avait pu s'en passer, la douleur qu'un matin, qu'en rapport à cette mise en échec-là, il s'en serait passé. Carey Price qui a reçu un lancer dans le biscuit, le bloqueur. Ça fait longtemps que j'ai entendu ça. Le biscuit. Je pense que la dernière fois que je l'ai dit, les biscuits étaient bruns avec des trous blancs. OK, ben c'est ça. C'est la dernière fois que j'ai dit biscuit. Ça ne nous rajeunit pas quand même. Comment tu dis ça, toi? Le bouclier. Le bouclier, c'est bon, ça. Okay. Je l'aurais pas dit, mais bravo, Martin, pour cette référence d'équipement. C'est un podcast, là. Biscuit. Blocker. Mais biscuit, c'est cool. J'aime ça, côté blocker. Oui, ben c'est sur le but des Panthers, justement. Puis les amateurs au centre-ball ont comme bien réagi à la suite du but. Tu sais, une petite ovation, là, ils ont scandé le nom de Carey. Ah, c'est pas grave. Puis surtout, ils ont scandé Carey parce que Carey s'est tenu la main dans le coin. Puis, écoute, il est dans une zone présentement. Ce gars-là est en mission, puis je le dis aujourd'hui, si le Canadien joue de même, c'est sûr que si le Canadien joue comme il jouait il y a deux semaines, ça ne marchera pas. Surtout qu'il n'y a pas de jeu de puissance. Si le Canadien joue comme présentement, bonne équipe, pas bonne équipe, gardien de but au bord, m'en sac, le Canadien sera en série parce que Carey Price est en mission. Tu le vois, là, c'était les Panthers. L'arrêt de la mitaine, c'est-tu Dadonov ça qui s'en est devant lui? Pas sûr, hein? Qui est resté debout, là. Ah oui, en première période. Ça, c'était un arrêt signature, je me souviens plus mon homme. Du joueur, là. Ouais, c'était solide. OK, on va beaucoup parler de Paul Byron. On va essayer de le faire de façon différente parce que je pense que pas mal tout le monde a parlé de Paul Byron. On va le faire avec Gaston Therrien, entre autres, dans quelques instants. On va commencer par lui dire salut. Salut, Gaston, ben, ça va? Salut, Martin. Salut, Luc. Gaston, avant de te faire la petite jasette, je veux faire entendre deux extraits des réactions à la suite de la blessure de Paul Byron hier. Paul Byron qui s'est fait nakouter hier, c'était pas beau à voir. Et on a des réactions de Carey Price ainsi que de Claude Julien. On écoute puis on revient tout de suite. You never want to see a guy get hurt like that in a fight. You know, you give him kudos for doing that. But at the end of the day, you don't want to see a guy wobbling off the ice. I haven't even talked to him or seen him, so you know, obviously, have a lot of concern. On a joué en Floride déjà, et puis depuis cet incident-là, c'est que j'avais rien à voir là-dedans. Là. C'est quelque chose que malheureusement s'est produit, que j'aurais préféré que ça se produise pas. On a reparlé avec Claude Julien, on a essayé de tourner la question d'un côté puis de l'autre, puis Claude Julien a dit qu'il ne voulait pas en parler plus. Mais on peut comprendre que c'est pas quelque chose qu'il aurait souhaité que Paul Byron fasse, c'est-à-dire répondre de ses actes. Je pense qu'en plus que Claude Julien, ce n'est pas un coach qui a froid aux yeux. Fait que normalement, ça ne l'énerve pas, lui, ces histoires-là, mais je pense que ça n'a pas sa place, mais pas une seconde. Gaston, tu penses quoi de toute cette histoire-là? Deux choses, Martin. Je t'écoutais en début de ton reportage, de ton show. Tu dis, si le Canadien joue comme ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Il n'y a que Price qui tient le Canadien là. Parce qu'il a fait tellement d'arrêts encore hier, là. Ça aurait peut-être fini 6-5, 5-4. Mais le Canadien doit un peu refermer le jeu, de pas trop donner de chances de marquer. C'est Carey Price, comme tu l'as bien mentionné, qui est en mission. Oh, et si Carey Price joue comme ça, là, je te suis. Le Canadien va partir aux séries, il va battre Columbus hier. Malgré le fait que j'ai regardé le match de Columbus hier, Bobrovsky était sensationnel dans les deux premières périodes. Pour revenir à Claude Julien, je pense que Claude, je suis pas certain, il faudrait vérifier, Luc, mais je pense que quand ils ont rejoué contre la Floride, Paul Byron n'était pas là. Mais je suis pas certain. Ah, je vais aller voir, Gaston. Je suis pas certain. Mais il reste que je suis entièrement d'accord avec Carey Price et Claude Julien. Tu veux pas voir aucun joueur de la Ligue nationale se faire blesser gravement sur une glace. Ça, tu veux pas voir ça comme athlète. En nulle part, dans n'importe quel sport. Maintenant, Claude Julien a très bien parlé. Il a dit, moi, j'ai pas dit, faites attention à Paul Byron. J'ai dit, moi, c'était terminé. Comme tu dis, Claude Julien, je l'ai connu comme joueur, comme personne. Un gars là, qui s'en fait avec des choses comme ça. En plus, il y a eu la petite peste Marchand. À tous les matchs, il aurait dit faites attention à Marchand parce que lui, il faisait quelque chose à tout le monde. Ce que j'ai pas aimé de tout ça, c'est que, OK, Paul Byron, entre guillemets, a respecté le fait qu'il faut répondre de ses actes.
Ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il y avait une distance entre Uyghur et lui. S'ils se sont parlé, il aurait dû dire, écoute bien, je vais certainement t'affronter un jour, mais ça sera pas ce soir. Nous, on est en mission pour les séries, puis je joue. Bye-bye, je suis parti. Il aurait dû partir. L'autre chose, c'est que Paul Barron, c'est lui qui a laissé un peu tomber les gants, le premier, pour régler ça tout de suite. Vous allez dire, oui, mais je sais que ça tendait pas à prendre un gaucher, peut-être, en plus, il se fait un hockey. Mais Paul Barron, dans le fait que c'est un joueur de hockey et qu'il y a de l'émotion, aurait dû dire non, c'est sûr que je m'en vais. Si tu me prends pour un peureux, personne ne me prend pour un peureux, tout le monde le connaît. Donc, il a assumé une décision qu'il a prise, et là, maintenant, c'est le Canadien qui va payer le gros prix. Parce qu'hier, on a réparti le temps de glace sur les trois ailiers gauches du Canadien. Donc, Jonathan Drouin, puis je ne veux pas parler sur Drouin, mais qui n'a pas quand même été sensationnel. Donc là, tu t'en vas à Columbus, t'es obligé d'entrer. Moi, je pense qu'on va aller pour la vitesse avec Pekka. Entrée de Pekka, ça fait 20 de matchs, grosso modo, qui n'a pas joué. Et là, tu remplaces un gars, Paul Barron, qui est tout de suite en désavantage numérique, à l'occasion en avantage numérique, à 3 contre 3, dans plein de situations. Parce que si Paul Barron, demain, est sur la glace, je perds mon latin. Bon, là, ça va être un sujet. Puis je vais avertir nos... Puis j'ai jamais fait ça parce qu'on a un blog sur le On Jase et également sur Facebook. Des gens exceptionnels qui connaissent le hockey, qui suivent le hockey puis qui parlent intelligemment. Par contre, on va s'attaquer à un sujet qui va, c'est quoi l'expression, galvaniser, qui ouais. polarise. C'est ça, hein? Ouais, ouais, t'es pour un ou t'es pour l'autre? Biscuit, ouais. polarise. Martin, qu'est-ce qui se passe avec toi? Je me lâche, ça n'a pas de bon sens. Attends, Martin, je vais me prendre un crayon, je vais écrire les mots là, que tu dis. OK. Il y a des gens, il y a des gens qui vont écrire, comme sur notre page, comme Francis, qui vont écrire... Très triste pour Paul Barron, mais il devait répondre de ses actes. Non. S'il ne l'aurait pas fait, on l'aurait traité de frileux et avec raison. Il a sauté pour frapper un gars à la tête. Il se devait de faire face au gars. Je veux juste dire une chose, Gaston. Avant que tu commences, je veux juste dire une chose. Ça, ce commentaire-là, formulé, bien formulé, poli, pas d'arrogance, c'est parfait. Si ce n'est pas votre opinion, c'est ça. On verge pas dessus en disant que tu ne connais pas ton hockey. Lui, il a son opinion. Oui. Moi, je suis pas d'accord avec ça, puis je vais m'expliquer pourquoi après toi. Parce que moi, je dis que c'est vrai que Paul Barron a commis une faute lorsqu'il a sauté puis il l'a pris à la tête. Je pense pas que Paul Barron, on le connaît, là. Je pense pas que Paul Barron, c'est un gars salaud, vicieux sur la glace, mais il a sauté, et d'après moi, la Ligue nationale a suivi. Ils l'ont suspendu. Il a été 3 matchs, Luc, à ma mémoire, là. C'est 3 matchs. Oui, c'est 3 matchs, puis Gaston... Oui, je vais t'indiquer, puis avec justesse, là, tu as bien fait de le mentionner, puis ça va mettre un peu les points sur les i. Là. Paul Barron n'était pas de l'alignement en Floride. Fort. Ça, Gaston, c'est très fort, parce que même Gaston, le coach, là, hier, il ne savait pas. OK, donc biscuit, Gaston fort. C'est bon, on continue. C'est... continue. Donc, Paul Barron, pour moi, a été puni par la Ligue sévèrement, mais correctement. Si hier, maintenant, entre deux hommes, deux athlètes, deux joueurs de hockey, on se parle sur la glace, parce qu'on sait qu'on se parle, Marc Denis en parle souvent, je ne peux pas traduire. Si lui, Uyghur, lui dit, écoute bien, je veux régler ça avec toi, Paul Barron peut aller sans lâcher les gants, dire, on va le régler, mais ça ne sera pas ce soir. Si l'an prochain, tu es encore dans la Ligue et je le suis, on va le régler là. Nous autres, on est dans une course pour les séries, et moi, c'est non. Maintenant, je rajoute, parce que j'étais joueur, l'émotion, l'intensité. Moi, si quelqu'un me dit que Paul Barron a eu peur de se faire traiter de peureux, il connaît mal Paul Barron. Paul Barron n'est pas un peureux, c'est pas un gros joueur. Il joue partout, il l'a prouvé à maintes et maintes reprises. Sauf que là, dans son esprit, peut-être qu'il s'est dit, je vais me tirailler, comme dirait le mousse du pont, je vais me chamailler un peu avec, puis ça va être réglé, parce que je pense pas que Uyghur était salaud. Il a frappé la gauche, puis il l'a knocké. Donc, Paul Barron a pris une décision, entre guillemets, sans trop réfléchir aux conséquences, pas simplement pour lui, mais c'est, je suis très déçu, mais je veux dire comme Carey Price, très concerné, je veux pas que Paul Barron lui arrive à rien, c'est un athlète, mais il a pris une décision pour régler un compte personnel au lieu de l'équipe. C'est ça qui m'embête un peu, j'en fais pas un drame, mais je me dis, faut faire attention, les Canadiens là, ont besoin de tout le monde, donc des alliés gauches, on sait tous pourquoi. C'est ça qui m'embête. Le reste, il a pris un bon coup de poing sur le nez. Maintenant, j'ose espérer, j'espère qu'il n'y aura rien. Mais là, c'est certain que le Canadien va le manquer énormément
à Columbus demain. C'est clair, puis je vais juste, parce que je suis d'accord avec toi, là, Paul Byron n'a pas à répondre à ses gestes, pas ça sa job d'envie. Le geste qu'il a fait, il a été puni pour, puis à la limite, là, il aurait bien aimé juste dire « Hey buddy, je m'excuse, t'as raison d'être fâché après moi, mais moi je t'en série. » Attends-moi une seconde. Moi je t'en série, toi tu ne l'es pas, comme tu as dit, mais le niveau d'émotion en début de match, la game vient de commencer, ouais. Ça je ne l'achète pas. Je pense que Paul a voulu juste être un gars d'honneur. Puis c'était pas le moment d'être un gars d'honneur. Je pense pas que l'émotion était là pour dire hey, « Je suis sénère, je vais t'en sacrer une. » Moi, je pense que c'était pas à lui à répondre de ses actes à ce moment-là. Puis je suis d'accord sur toute la ligne sur ce que tu dis. Il y a des gens qui vont penser comme Francis, puis il y a des gens qui vont penser comme nous autres, puis c'est bien correct. Oui, parce que je pense que Paul Byron a texté à Uyghur ou à l'organisation, hey, aujourd'hui le téléphone, les gars qui s'occupent du matériel, ceux qui s'occupent des relations publiques avec les joueurs, tu peux adressé comme Shara avait fait pour Pacioretty. Tout le monde a dit « Ah, oh, bon, on s'en fout, il l'a frappé! » Mais il a quand même été un homme, un athlète, en disant « Écoutez, je voulais pas lui faire mal. » Puis je pense pas que Paul Byron voulait blesser gravement Uyghur. C'est arrivé dans un match? Ça arrive dans un match. Martin, je sais que c'est en début de rencontre puis tout ça, mais Canadien est à fleur de peau parce que là, c'est les séries. Puis là, hier, tout le monde dit « Ah, Floride! » Puis moi, je l'ai dit le premier, là, je vous l'ai dit. Deux points ramassés à terre. Ça, tu dis ça comme gens qui regardent le match, mais quand t'es dans le vestiaire, tu sais que Barkov, Huberto, Trocheck, Hoffman, tu dis « Attends, c'est le gardien de but, mettons qu'il en sort une vraie, c'est pas allumé. » On peut être dans le trouble de perdre deux points. Donc, Canadien joue vraiment avec énormément de pression sur le dos. Pour et d'émotion. Oui, d'émotion. Drouin joue pas. Ça fait du chiolage dans les journaux. Là, il quitte pour la Columbus. Merci, 24 heures en paix. Moi, je pense que c'est ça. Mais plus que 24 heures, après ça, c'est Winnipeg. Fait que oui, il part en paix. Bon, si on vient, on va dire. Ouais, ben, je veux ajouter quelques éléments d'auditeurs. Puis, Mackenzie Uyghur s'était battu contre les Bruins de Boston, contre Noel Achiari. C'est samedi, si ma mémoire est bonne. C'est quelqu'un qui l'a dit sur nos pages. Ah, oui, il s'est fait battre en plus. Oui, oui, ça n'a pas été à l'avantage de Uyghur. Ça, c'est un. Deux, un commentaire qu'on a sur notre page rds.ca. Il dit « OK, Paul, tu vas en prendre une pour l'équipe. Voici ce que je te propose. Accepte de te faire insulter tout le long du match. Va la mettre dedans. C'est là que tu es utile. Ne tombe surtout pas dans le piège et tu games de m'affronter comme on se lance dans une cour d'école. C'est à la ligue de trancher un jour, je veux bien, mais les joueurs ont le droit d'être stratégiques, prendre des meilleures décisions. De toute évidence, Paul n'a pas choisi la bonne. » C'est le type de commentaire qu'on reçoit aussi. Bonne réflexion. Très bon. Puis dans le hockey qu'on joue présentement, le Canadien a grandement besoin de Paul. La première bonne nouvelle, puis je l'ai tweeté hier quand le match a commencé, puis là qu'on en a parlé, c'était Swayze Luongo qui était devant le filet pour les Panthers, et là on envoie le pire gardien de la Ligue nationale de hockey qui existe, James Reimer, je le dis depuis des années, il est même pourri quand Tignemi, et là le Canadien a fait ce qu'il voulait contre ce gardien de but-là, qui même les rondelles qui n'ont pas rentré, ils ne les ont pas arrêtés, c'est ses défenseurs qui les ont mis en dessous de lui. Martin, j'ai une question pour toi. Vas-y. As-tu peur à ton poste dans ta ligue de garage? Écoute, si Reimer restait à Mirabel, oui. Il y a une autre chose que je veux dire, Martin. Je t'ai dit hier ou avant-hier, quand on s'est parlé, peut-être que ça va être Luongo parce que ça pourrait être son dernier match à Montréal. Ouais. Puis tu sais, il vient de Rosemont, de Ville-Saint-Michel, tout près de là. Tu m'as dit, il reste 3 ans de contrat et ça va tomber sur la masse salariale de Vancouver, j'ai fait un petit peu mes devoirs. C'est François qui t'a dit ça, Bolly. Hein? C'est François Gagnon qui t'a dit ça. Ah, OK, excuse-moi, c'est à ton émission. Excuse-moi, d'accord, tu as raison, je me rappelle très bien. J'ai pas de mémoire. Non, mais j'aime ça. Gaston, t'es fort, Martin, t'as raison. J'adore ça. Biscuit. j'ai fait un petit peu mes devoirs. J'ai pas tous les chiffres, là, parce que j'ai pas de papier avec moi. Mais c'est plus de 4 millions, si jamais Roberto Luongo annonce sa retraite, que Vancouver va avoir sa marque, pour 3 autres années. C'est beaucoup d'argent. Si jamais là, il y a quelque chose, un rachat de contrat, ben là, ça divise 2,8, 1,2, des montants d'argent. Donc, ce qui pourrait arriver, ce qui semble se dessiner dans le ciel, on ne va pas annoncer du côté de Roberto Luongo une retraite. Ce qu'on pourrait, je dis bien pourrait, je conjugue les verbes, c'est qu'on pourrait dire à Roberto Luongo, il a les genoux finis, un peu comme Pronger, un peu comme Nash. Tu passes un examen médical une fois par année avec la Floride. Le docteur dit non, tu ne peux plus jouer, ses genoux sont finis. Et là, après, tu annonces ta retraite, mais tu ne touches pas à aucune masse salariale.
excepté celle des Panthers de Floride, qui est, je pense, 1,3 cette année, puis à l'entour de 800-900. Mais en tout cas, là, il y a des chiffres, mais ça, je pense que Roberto Luongo a peut-être été dans l'uniforme des Panthers la dernière fois à Montréal, parce qu'on parle beaucoup de Bobrovsky avec les Panthers. Mais qui a dit que Luongo voulait arrêter? Y a-tu mentionné, puis j'ai manqué ça, qui a dit qu'il voulait arrêter? Non, je pense pas que Roberto Luongo voulait arrêter. Un scénario? Sauf que, physiquement parlant, il est tout près de 40 ans, s'il n'y a pas 40 ans, là, puis il paraîtrait que ses genoux ne sont pas capables de tenir. Puis la Floride, il dit, écoute, on peut être comme deuxième, jouer 20-25 matchs avec un Bobrovsky ou un autre, sauf qu'il faut que tu sois prêt quand on va avoir besoin de toi. Puis il paraît, c'est ce que j'entends, là. Puis normalement, j'entends pas de mauvaises choses. Donc, à partir de ce moment-là, si Roberto Luongo n'est même pas capable d'assumer un rôle de deuxième l'an prochain, puis là, je conjugue les verbes, là, ça pourrait être difficile pour lui de continuer. Peut-être pour un an, il peut le faire, mais après, il va peut-être se rendre compte que même si tu es sur le banc, tu sais, de ne pas toujours jouer, il va devenir un peu plus... ça va être un peu plus difficile pour lui. D'ailleurs, je ne veux pas me tromper dans mes histoires, là, mais... une affaire qui avait, je pense, Jean-Sébastien Giguère a gardé les buts au Colorado quand Patrick Roy était là. Mm-hmm. Puis il était le substitut de Varlamov. Ouais. Et ce qui faisait suer Patrick Roy au plus haut point, c'est qu'il pouvait pas, si Varlamov en mangeait une, il pouvait pas rentrer Giguère. Giguère, lui, il fallait qu'il commence un match, sinon il rentrait pas parce qu'il y avait trop de préparation à faire pour ses genoux. Puis là, je dis ça avec un gros bémol. Fait que si Luongo, et c'était la même chose, c'est la même affaire. Là. Encore hier, vous avez vu, c'était pas Luongo qui était au bout du banc pour rentrer en plein milieu. C'est pas l'idéal pour lui. Par contre, moi, je suis Roberto Luongo, puis il n'a pas mentionné qu'il voulait, en avril, avoir 40 ans. Mais tu signes Bobrovsky, puis tu dis à Luongo, regarde, on va te préparer pour 25 games cette année. Tu vas pouvoir, je pense que les Panthers, avec un virage important que j'ai mentionné hier, là, puis je vais raccourcir ça là, vite, là, on parle de Panarin et Bobrovsky là-bas. On change d'entraîneur, on enlève le Country Club, puis on rentre un Joel Canville qui a déjà été engagé par Dale Tallon, soit dit en passant. Pour moi, cette équipe-là, elle se bat même pas pour une place en série. Elle est parmi les meneurs dans l'Est, juste comme ça. Fait que si je suis Luongo, je veux rester là. Je suis en Floride, je suis dans ma famille, je suis où ce que je demeure, puis je joue au hockey pour une bonne équipe. Je veux rester là, tu sais. Oui, mais on peut aussi, puis je veux pas élaborer sur Luongo, sauf que c'est un Québécois. Je pense qu'on peut aussi le garder en Floride, puis lui dire, regarde, tes genoux sont finis, mais maintenant, on pourrait regarder pour te trouver un poste dans l'organisation qui te plairait, qui t'empêcherait de toujours être prêt physiquement, t'as préparé les autres tes genoux. Mais ça, comme tu dis, ils verront ce qu'on va faire avec Roberto Luongo. Ça nous regarde pas, mais hier, il était pas là. Puis je veux revenir à la victoire du Canadien parce que, pour moi, 6-1, c'est pas du tout le pointage du match. Carey Price, en tout cas, là, tu sais, hier, Vezina, il peut pas l'avoir parce qu'il a commencé à jouer au mois de décembre. S'il avait joué toute la saison comme il joue maintenant, le Canadien serait 10 points dans les séries en avant. À lui seul, il fait le travail. Il est dans une classe à part. Il est intimidant pour l'adversaire. Et puis lui, ce qu'il veut, c'est gagner et aller dans les séries. Puis on dirait qu'il n'y a rien qui va le déranger. Hier, j'écoutais Martin, puis il disait qu'il a l'air en forme. Il n'a pas l'air fatigué. C'est sûr qu'on lui donne des congés. Et j'espère qu'aujourd'hui, on lui donne congé. Il répond à tout ça par des gants ou des performances que jamais j'aurais pu penser qu'il était capable de nous donner dans un moment où il y a énormément de pression sur l'équipe. Non, puis tu le vois dans son positionnement, puis je l'ai dit dans son tracking, il n'y a même pas besoin de recevoir un lancer que tu le sais qu'il est dans une zone où ce que personne n'est allé récemment. Là. Il est dans une classe à part présentement, le beau Carey. Je revenais sur Luongo, Montembeau, Reimer, la gestion des gardiens. J'avais une discussion avec Patrick Roy, qui est rédacteur en chef au RDS.ca, puis il y avait un excellent point. Les Panthers, tu sais, si on veut qu'un gardien québécois affronte le Canadien à Montréal, on avait annoncé Luongo d'ailleurs lundi. Là. Pourquoi ne pas mettre James Reimer substitut lundi à Toronto? Montembeau s'est fait sortir, Reimer finit le match, Luongo est à Montréal. Là, les deux gardiens québécois ont été utilisés lundi à Toronto. Puis là, ils ont choisi d'y aller avec James Reimer. Ben, la réponse à ça, c'est pour ça que Boogner va perdre ça. Ben, c'est ça, en plein ça. Oui, mais il reste que, je suis d'accord avec toi, Martin, il va certainement perdre son travail. Mais il ne faut pas oublier que, comme entraîneur, il avait pris 7 buts le match d'avant Toronto. Là, je parle des Panthers de Floride. Là. Ils avaient encaissé 7 buts. Boogner, il voit jouer son équipe. Là. Défensivement, là, c'est pas mauvais. C'est très mauvais. Là, il sait qu'un Montembeau... Comment il s'appelle, Montembeau? C'est mieux Montembeau, hein? Ouais. Montembeau est là, il se dit, bon, là, je peux le positionner à Toronto contre une grosse formation. Si on perd le match 3-2, 4-3, puis il y a une grosse performance, je suis très fier de lui. Aller à Montréal,
puis il aurait pu faire ce que tu dis. Puis là, dire, non, j'y vais avec Reimer ou Luongo à Toronto, puis on va commencer le jeune à Montréal. Peut-être qu'on ne sait pas, là, mais il a voulu le préserver parce que c'est pas bon pour lui ce qui se produit. Là. Il s'est fait sortir à Toronto, puis il s'est fait sortir, ben, il est rentré à Montréal, là, puis il n'a pas été vraiment mieux que Reimer. Il n'a pas été pire, mais il n'a pas fait des arrêts incroyables. Donc, pour la Floride qui regarde, qu'est-ce qu'on fait avec nos gardiens l'an prochain, là? À part Luongo, parce que c'est un gros nom, il y a un contrat, puis c'est un bon vétéran. Est-ce que, Martin, la question je te pose, bon, Reimer, je connais ta réponse, mais est-ce que tu veux... Un rachat, Reimer. Ah oui, c'est ça. Bye-bye, là. Puis, ouais. Non, je comprends, mais il joue plus. Mais qu'est-ce que tu fais avec Montembeau? Parce que là, c'est Roberto. Oui, c'est ce que je te dis. Bon. Mais là, Ligue américaine, maintenant, c'est plus comme dans mon temps, là. Moi, je gagnais 60 000 avec les Nordiques, puis 25 000 dans la Ligue américaine. Là, tu gagnes peut-être 50 000 dans la Ligue américaine, puis tu en gagnes 800 000 dans la Ligue nationale. Mm. C'est pour lui, là, c'est quelque chose d'incroyable. Puis il ne peut rien faire, le jeune. L'équipe joue mal, l'équipe s'en fout. Hier, Markov, tu joues hier? Pas vu. Ouais, c'est vrai qu'on l'a pas vu. Et d'habitude, il connaît des gros matchs contre le Canadien. Puis hier, non, on l'a pas vu. Mais de toute façon, je t'en ai parlé cette semaine. Là, on parle que c'est vraiment là, un country club du côté des Panthers de la Floride. Mais tu l'as dit, revenons au match du Canadien. Je sais qu'on va parler de Tatar un petit peu plus tard. Là. On va demander aux gens de réagir là, sur Thomas Tatar sur nos pages. On a demandé aujourd'hui, je ne sais pas si tu voulais aller là tout de suite, là, mais vas-y, on va lancer la question aux gens. On va avoir le temps de recevoir leur réponse. C'est tout simplement compléter la phrase Thomas Tatar, trois petits points. Qu'est-ce qu'il apporte aux Canadiens? Tuna. Vas-y, c'est Gaston. Bon, Michel Lacroix hier. Oui, hein? Thomas Tuna Tatar. C'est excellent. Vas-y, Gaston, Thomas Tatar, trois petits points, tu peux faire la phrase que tu veux. Moi, je pense que du côté de Vegas, là, je regarde les statistiques, j'ai vu quelques matchs de Pacioretty. Je pense que du côté de Vegas, Gérard Gallant, puis j'étais là quand Michel Therrien a parlé, j'étais assis à côté de lui. Il a dit, écoute bien, Gérard, pourquoi il n'a pas joué? Parce que je n'étais pas capable de l'entendre. Il a donné toutes sortes de raisons, donc pour lui, Tatar ne va pas l'aider. Mais faire l'acquisition d'un capitaine, d'un gars qui a une réputation de 30-35 buts comme Pacioretty, ça lui plaisait. Puis en plus, avec Stachny, il s'est dit, j'ai un duo. On oublie les blessures, mais il y a eu des blessures. Donc, moi, je pense que Vegas est content d'avoir Pacioretty, puis Canadien est heureux d'avoir Tatar. Ça, c'est des transactions que les deux directeurs gérants, un jour, vont dire, nous autres, on a transigé, on peut encore se parler de hockey. Les deux, ça fait notre affaire. Moi, je pense que Tatar, tout le monde pensait, on ramasse un contrat, on a ramassé un joueur de hockey. Avec un contrat, qui est normal, ils en ont tous un. Mais moi, je pense que Tatar, satisfaction canadien. On aurait un choix de deuxième ronde, Tatar contre Pacioretty aujourd'hui, je dirais que c'est correct. En plus, ils ont réussi à avoir un jeune qui promet beaucoup, qui s'appelle Suzuki. Fait que je me dis, Canadien gagnant, puis je suis persuadé que Vegas sont heureux avec ce qu'ils ont, parfait, bonheur partout. Moi, je dis Tatar, mission accomplie, c'est un joueur qui va rendre de très bons services à Claude Julien et à l'organisation. À gauche, j'ai pas de problème avec lui. Il bouche un trou important. Non, je pense qu'ils vont encore transiger parce que je pense que McPhee, c'est un gars qui prend ses responsabilités. Quand il se fait avoir, je pense pas qu'il en veut à quelqu'un. La preuve, c'est la transaction de Martin Erath pour Philip Forsberg. Mais il doit se dire que il n'a pas donné Tatar le joueur. Il a donné Tatar le contrat. Oui, il pourra en donner un à Pacioretty, c'est correct. Et je pense plus que là tu échanges Tatar, il y a une valeur de joueur de hockey. Tandis que là, c'était son contrat qu'on a échangé. C'est juste ça le bémol. T'sais, il en fera encore peut-être, là, mais il aimerait ça peut-être payer moins cher qu'il a payé. Parce que Tatar, Suzuki et un deuxième, c'est cher payé. Oui, c'est cher payé parce que Tatar t'a donné beaucoup. Puis pas simplement des buts. Là. Il s'est impliqué dans l'équipe, dans un style que Claude Julien apprécie énormément. Donc quand je regarde la situation, oui, c'est cher payé. Mais un 1, un 2 et un 3 pour Tatar quand tu ne l'as pas fait jouer, c'est du cher payé, ça? C'était, dans le fond, il n'a jamais été du bon bord, le pauvre McVie. Ouais, exactement. Mais il faut dire aussi que, vu qu'ils arrivaient dans la Ligue nationale, ils avaient plusieurs choix repêcheurs. Ils ont été capables d'aller chercher de bons jeunes qu'on ne pensait pas qu'ils étaient capables de se développer comme ça. Donc, je suis d'accord avec toi, Martin. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que Vegas est content d'avoir Pacioretty aussi. Oui, mais on sait que c'est ça, je te dis. Ils sont contents. Ils trouvent juste qu'ils l'ont peut-être payé pêcheur. Moi, je veux dire. Peut-être qu'ils disent Suzuki, avoir su, on aurait peut-être enlevé lui. Ça, c'est correct aussi. Oui. Moi, Thomas Tatar, je vais répondre ceci. Pour un gars qui n'était pas supposé être constant, il n'est pas juste constant, il a l'air content.
Et je me base sur les propos de Claude Julien hier après le match, quand il a parlé que ce gars-là est positif, est heureux d'arriver à l'aréna, il est content de pratiquer avec ses chums. Ça aussi, c'est un plus que tu ne peux pas négliger, surtout dans la situation que le Canadien était l'an passé, alors qu'on n'arrêtait pas de dire qu'il y avait un problème d'attitude. Oui, ça c'est vrai, mais je pense que dans le cas de Tatar, l'attitude, ils sont pas là. C'est que ce gars-là aimait le hockey. Ouais. Puis là, on n'essaierait pas de me vendre l'idée qu'il y a mieux Montréal que Vegas. C'est pas vrai. Il y a mieux l'environnement du point de vue hockey peut-être que Vegas, parce qu'il ne jouait pas. Mais quand un joueur pense, puis lui, il avait prouvé certaines choses avec Détroit, là. C'était un marqueur de 20 buts, puis tu arrives avec Vegas, puis ils ont donné un 1, un 2, puis un 3, puis là, Gérard Gallin, il dit, écoute, ben, je voudrais te faire jouer. Mais là, tous ceux qui ont été là, m'ont amené là, c'est difficile. Quand je vais te faire jouer, faut que tu rentres dans la porte tant que tu peux, parce que Gérard Gallin, c'est un gars honnête. Mais il dit, écoute, ben, j'étais là, il a dit à Michel, écoute, je ne pouvais pas le faire jouer un match, deux matchs, trois matchs, j'avais pas de temps, parce que là, mon équipe, c'était ceux qui nous avaient emmenés là, j'ai été honnête, mais il dit, je pense que du côté de la direction, on a pris une décision, on a dit, regarde, nous autres, on peut pas, on pense qu'on peut pas te faire jouer. On a peut-être tard aujourd'hui, c'est vrai, mais ils l'ont échangé, au moins, ils n'ont pas gardé ce gars-là deux, trois ans, ils disent, bon, ben, c'est pas quoi faire avec un joueur quatrième trio. Ils ont dit, non, on va t'échanger, mais maintenant, ils ont parlé à Canadien, puis ils ont dit, t'as tort, on veut plus. Oui, il y a un contrat de X montant d'argent, mais c'est ça, parce que nous, on ne pourra pas signer le maturité. Puis là, Bergevin, il a lancé la pièce dans les airs, puis est tombé du côté du Canadien. Bravo. Je veux juste rajouter que le contrat de Tatar n'est pas payé complètement par le Canadien de Montréal. Non, il y a un montant de... Il y a un montant qui appartient au Knights de Vegas, qui est encore plus haut. Je regarde le Vegas dans le moment. Je pense pas que c'est beaucoup d'argent pour moi et vous autres. Là. Mais 2-3 millions, là, c'est pas ça qui doit lui faire peur dans le moment. Non, c'est 500 000 par année. Là. Il coûte 4,8 au Canadien au lieu de 5,3. Il reste 2-3 ans. Fait que, regarde, on parle à peu près d'un million et demi. Là. Pas sûr que c'est ça qui va faire faillite à Vegas. Oui, puis son contrat, Tatar, ben, en fait, je réponds à une question de Véronique sur Facebook. Là. Il devient joueur autonome sans compensation en 2020-2021. Donc, encore sous contrat pour les deux prochaines saisons. Vous avez parlé du contrat, là, c'est 4,8, puis avec l'argent retenu par Vegas. C'est 1,5 en tout et partout. Je veux lire des commentaires d'excellentes suggestions par rapport à la question du jour. Polo répond sur RDS.ca. Tatar est un joueur qui a compris que jouer au hockey, et particulièrement à Montréal, ça implique de se présenter chaque soir, chaque présence, penser à l'équipe avant les honneurs individuels. Je ne sais pas si ça le décrit bien, Thomas Tatar, mais je trouvais ça intéressant comme élément de réponse. Il a dit, lui, le premier joueur qu'il a côtoyé à Montréal, ça a dit Gallagher. Gallagher, il a dû me dire un petit secret, parle-en à personne. Ah, il l'a fait. C'est ça. Ah oui, et puis on peut rien lui reprocher. Puis hier, une performance de 3 points. Ouais. Mais tu sais, je parlais de Reimer qui était vraiment pourri. Là. As-tu remarqué à quel point une défensive aussi mauvaise, puis chapeau aux Canadiens, mais tous les buts sont à peu près pareils. On ramène la rondelle high slot, puis lancé sur réception, puis tu sais, Lekkonen, c'est ça, Tatar, c'est ça. Kulak, c'est ça. Écoute, je regardais les buts, puis j'étais là, j'ai l'impression que je fais un copier-coller. On fait copier-coller à chaque fois. Oui. Mais c'était, comme je te dis, une performance que le Canadien était assez bon de réagir offensivement, mais Claude va faire des ajustements pour donner moins de chances de marquer, parce que hier, Price, là... Je pense que les jeux ou les lancers, puis tu avais raison en début de reportage ou de show, c'est Dadonov, je pense, qui a lancé sur réception. Bien, le Price, il ne peut pas faire ça toutes les périodes. Puis dès le début, il était en avantage numérique en troisième, mais dès le début de la troisième, bang! Ah, ben ouais, à un moment donné, les gars, tu mets Niemi en troisième période? Là, ça fait 5 à 1, 5 à 2, 5 à 3. Là, tu dis à Price, es-tu vraiment sèche, là, ou... Fatigué parce que maintenant, il faudrait que tu y retournes. Parce qu'il y en a qui ont dit « Ah, on devrait l'enlever en troisième pour le reposer. » J'y ai pensé, moi. Ça serait-tu, ça? Fou, non, non. Non, j'ai fait des téléphones de coach, d'ancien coach. Il y a deux choses qui m'ont dit. Un, il faut faire attention, tu ne peux pas humilier une équipe, même si c'est la Floride, parce qu'en changeant Price, les autres, ils auraient dit « Ah, ils veulent le reposer, ils sont sûrs de gagner, c'est pas des cartes. » L'autre chose, ils disent « Un blanchissage pour un gardien de but comme Price, ça... » Ça veut dire beaucoup. Oui, non, pour carrière, le blanchissage, je suis d'accord, pas, mais tu sais. Ça se fait pas. Oui, je vais te dire où c'est que j'y ai pensé. Le blanchissage, je suis d'accord avec toi, mais tu sais, il fait 6 à 1, puis il se fait mal à la main, puis il a beau dire qu'il est correct. Là.
Je vais le chercher. Ouais, puis j'ai dit, fais semblant que tu as mal à la main, là, tu vas te reposer. Martin, Price, là, j'aurais aimé que tu sois l'entraîneur pour lui dire, fais semblant que tu as mal à la main. Il aurait dit, attends, je vais te montrer quelque chose. Atlac! As-tu eu ma claque sur la gueule? Penses-tu que j'ai mal à la main? Non, j'aurais pas été l'entraîneur qui aurait osé faire ça. L'autre chose, là, tout le monde disait, Weber. Oui, mais Weber, mettons qu'il va une présence à la glace, puis il peut un lancer saché, puis il se casse. Écoutez, là, on était rendu là. Ouais, mais si jamais il y a un joueur qui tombe sur. Hey, là, j'ai dit, arrêtez, s'il vous plaît. Là. Ouais. Arrêtez, parce que là, ça se passait à l'antichambre, on riait. Là. Ouais. Et là, j'ai dit, il a mal à la main. Ben oui, il a mal à la main. C'est un gardien de but. Il a arrêté la rondelle, puis le deuxième retour, c'était dans le but, puis il l'a arrêté, comme tu dis, avec le cookie. Avec le cookie, le biscuit, mais il s'est fait mal à la main. C'est normal, il y a moins de protection. Mais là, s'il faut toujours dire, hey, enlever Price, on mène par deux vues, reste 7 minutes, donner du congé, tu ne seras pas blessé. Hey, jouer l'entraîneur qui va faire ça, Price. Bonne chance. Non, mais de toute façon, je voulais juste faire le contrepoids. C'est pas dans mon ADN de faire ça. Là. Je voulais juste. Tu le sais, je ne ferai jamais ça dans la vie. Je pourrais peut-être dire aux Canadiens, moi, je serais le genre de gars qui pourrait annoncer à Price qu'il ne joue pas ou que je le retire d'un match. Ouais. Ça aurait pris Paul Byron parce qu'il était déjà sonné. C'est ça qui serait arrivé. OK, celui qui remplace Byron, toi, tu as dit Pekka? Ben, moi, j'irais pour la vitesse. Moi, je peux-tu donner ma suggestion? Oui, puis je te dirai pourquoi je prends Pekka. Si j'ai dit vitesse, mais il y a d'autres raisons. Vas-y. OK. Je me pensais que tu as dit. Dis-moi ta raison, puis je vais te dire pourquoi je ne suis pas d'accord. Ça se peut. Ça répète ça aussi. Non, mais j'ai regardé. Le dernier match, c'est contre les Islanders, mais le match avant des Blue Jackets, je ne me souviens pas c'était contre qui. Puis Josh Anderson s'est amusé à bousculer un peu tout le monde. Dubinsky a cet ADN-là. Dans l'ADN de Tortorella, ça va bousculer, c'est sûr, dans ce match-là, mm-hmm. qui sera aussi haut en intensité, en émotion. On doit venir, là. Jordan Will a dit qu'il a déjà joué dans la Ligue américaine de hockey avec Nicolas Deslauriers, qui adorait ce gars-là. Je savais. Nicolas Deslauriers. Je pensais que tu étais pour dire Dale Weiss à un moment donné, mais non, j'ai eu peur. Non, il pense que c'est sa tablette pour ce qu'il a fait de l'année. Moi, mon pic, c'est Deslauriers. Ce que tu dis, je l'achète. C'est vrai, je connais. J'ai joué 3 matchs dans ma carrière avec John Tortorella à Erie. Arrête donc. Oui, j'ai joué avec lui. Donc, je connais comment il est. Puis c'est vrai que c'est un entraîneur un peu comme Michel Therrien. Tu sais, il aime Alain Vigneault, il aime ça. Claude Julien, c'est moins apparent. Il déteste pas ça, mais Claude, il s'écarte de ça. Mais dans le cas de Deslauriers, tu as raison, j'ai pensé à Deslauriers parce que, j'étais un Québécois puis je trouvais qu'il rendait de bons services aux Canadiens. Mais demain, là, c'est vraiment là, un match où le Canadien doit faire mal aux Blue Jackets. S'ils veulent jouer ce jeu-là, là, puis tu as raison, Dubinsky puis Anderson, mais que le Canadien les fasse payer en avantage numérique. Oui, tu vas en prendre une pour l'équipe. Là, tu vas me dire, ouais, mais l'avantage numérique ne fonctionne pas. C'est ça. Mais il ne faudrait pas qu'elle se réveille contre Columbus, que Columbus perde 5-2 puis que le Canadien ait 3 buts sur l'avantage numérique. Peut-être que le propriétaire ou quelqu'un va dire, attends, là, c'est quoi cette affaire-là? Tu as voulu avancer, vous avez pris que des punitions, puis là, il n'y aurait pas d'avantage numérique. On ne sait pas ce qui peut se passer. Dans un match, Gaston, as-tu vu l'avantage numérique? Là, ils ont gagné, c'est ça, là, on est tous fanfarons. Là. Ouais. L'avantage numérique du Canadien hier, les deux occasions qu'ils ont eues, ne sont même pas rentrées dans le territoire des Panthers. C'était une disgrâce. J'ai tout vu ça. Mais c'est une bombe à retardement, un avantage numérique. Moi, j'étais entraîneur. Là, hey, tu demandes à tout le monde. Là, un avantage numérique, là, ça va, c'est des séquences. Puis tu ne sais jamais quand on commence, tu ne sais jamais quand elle finit. Là, je vais te dire quelque chose. Elle est aussi bien dit. Au Canadien. On ne sait pas comment elle finit. Non, mais je ne sais pas. Mais elle pourrait se terminer à Columbus ou à Winnipeg si les équipes pensent. Mais de toute manière, j'aime mieux que le Canadien joue à 5 contre 4, même s'ils ne font rien, parce qu'ils n'en ont pas trop encaissé à 4 contre 5, que jouer à égalité numérique et de perdre un match. Fait que si ça brise un rythme, il faut tout prendre les petits détails. Mais ton idée de Deslauriers n'est pas mauvaise. Là. Je ne critique pas Deslauriers parce que je l'aime beaucoup. Moi, je t'ai dit Pekka, vitesse, peut jouer à gauche, au centre, peut même aller à droite. Puis j'ai l'impression que Pekka, si c'est Pekka, pas Deslauriers parce qu'il ne peut pas le faire, Pekka pourrait prendre les minutes de Byron et non de loin. C'est une impression. Ça serait un maudit coup de bord en face, ça, je vais te dire. Une affaire, là, Pekka, c'est pas le plus responsable non plus défensivement. Là. Je pense qu'il a fait la preuve de ça. Là. Non, mais c'est le genre de joueur qui est très rapide. Tu sais jamais qu'est-ce qu'il peut provoquer.
Hier, moi, je ne suis pas déçu de rien ou de personne, puis je ne voulais pas parler de Drouin, mais pour 17 minutes, il a joué 16 minutes 59. Il ne m'a pas démontré qu'il essayait de... Il me semble qu'il aurait pu... Tatar a eu des points, Lekkonen a eu des points. Lui, il n'a pas eu à gauche. Puis on jouait tous à peu près le même. Il a divisé le temps de glace de Barron autour, qui était très bien. Il aurait même pu mettre Andrew Shaw à gauche. Il a déjà joué à Chicago à gauche, un droitier. Mais ça m'a un petit peu... J'aurais voulu que Jonathan Drouin me démontre, de... là, il y a un blessé. La porte est ouverte. Dommage pour mon coéquipier, mais j'entre dedans. Il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas été très bon. Personne n'a parlé de Hudon. Ouais, ben il y a quelques suggestions sur nos pages. J'en ai vu un. Jean Bertrand qui a parlé de Hudon. Ouais, Nicolas aussi. Sur Facebook aussi, il y en a eu. Okay. Mais... Parce que j'ai pas de raison pour Hudon, puis toi, t'as pas de raison. Parce que chacun a une raison pour la joueur qu'on a nommé. Des lauriers, robustesse, coin de patinoire, travailler fort. Puis s'il y en a un qui veut s'énerver, il aime ça. Moi, j'ai parlé de vitesse, polyvalence. Tu vas me dire, Hudon, il est polyvalent, mais il est moins rapide que Pekka. Mais de toute manière, le joueur qui entre, c'est peut-être que Pekka, que ça fait le moins de temps qu'il n'a pas joué, parce que ça fait comme les autres, ça fait comme 20 matchs. De entrer dans une situation sous pression comme ça, que tu dois performer, wow, c'est tout un défi. Il y a André là, qui suggère des trios. Il rentre des lauriers, mais il y a surtout beaucoup de permutations là, de centre à l'aile puis de l'aile au centre. Claude ne fera pas ça. Mais non, puis je peux te dire aussi, tu as beaucoup fait rire les gens avec tes punis avec ton power play. D'ailleurs, si c'était une bombe à retardement, d'après moi, ils ont perdu la manette quelque part. Martin, dans les premières guerres mondiales, tout se faisait manuellement. Oui, ben c'est ça. D'après moi, il n'y a personne qui est prêt à aller tirer sa goupille. J'ai trop peur que ça y pète dans la face, mais, je vais te dire. Je vais te dire quelque chose. Je suis un de ceux qui critiquent l'avantage numérique. Mais demain, là, on est aujourd'hui. Là. Demain, là, si jamais, puis je vais te rappeler, même si je ne suis pas supposé parler avec vous autres demain, si jamais Canadien a 5 avantages numériques puis il marque 2 buts, m'a dit mon petit lapin d'amour, refais jouer ce que je t'ai dit hier. Oh oui, non, mais ça va être le fun de voir qu'est-ce qui va se passer. Ça va être le fun. Gros match contre les Blue Jackets. Ça va se finir comment, ça, Gas? Ça va se finir, je vais dire que je pense toujours que Carey Price va avoir une performance incroyable. Maintenant, je me dis, il faut que l'offensive, qui en a marqué 6 contre les Panthers, soit capable d'en marquer au moins 1, parce que tu faut que tu gagnes le match 1-0 si tu veux avoir 2 points dans le temps réglementaire. Mais le Canadien est appuyé que sur une colonne par le numéro 31. Ça me fait peur. Oui, ça va être intéressant de voir. D'ailleurs, en plus, une défaite en prolongation, c'est pas bon pour le Canadien. Non. Lui, c'est en temps réglementaire, là, aller chercher 2 points, ce serait l'idéal. Parce qu'il ne faut pas oublier, Martin, là, il y a encore un match en main sur le Canadien. OK, il n'a pas gagné, je le sais. Mais ils peuvent récolter un point ou deux. On souhaite qu'ils n'en récoltent pas, là, mais ils ont un match en main. Puis le Canadien, il en reste 5. Oh, et puis ils tombent sur leur 3 en 4. Eux autres, ils vont jouer jeudi. Après ça, ils pognent Nashville samedi, puis Buffalo sur leur deuxième en 2. Là. Fait que oui, Buffalo, c'est un club facile à prendre. C'est un club facile à prendre, mais c'est eux autres qui vont prendre à la fin de leur voyage. Fait qu'ils ont des chances. T'sais. Si ça avait été l'inverse, on aurait été moins optimiste. Mm-hmm. Bref. D'accord. OK, Gaston, on garde ça en note. Le power play va punir les Blue Jackets. Le power play pourrait. J'ai conjugué le verbe. Oui, c'est vrai, il a conjugué le verbe. Les Blue Jackets. Si ça arrive demain à midi, quand tu m'entends sonner le téléphone, dis oh non, il n'a pas oublié. Vendredi à midi. Oui, vendredi, tu as raison, le match est demain. Donc, vendredi à midi, on a peut-être une date. Vendredi, t'es-tu game de m'appeler? S'il y a un marqueur power play, t'es-tu game de m'appeler? Le vendredi, d'habitude, toi, tu ne travailles pas, là. Martin, écoute ce que je te dis, là. Si l'avantage numérique pourrait faire payer Columbus, vendredi, je vais vous téléphoner, c'est sûr, si le Canadien a 2 buts et plus sur l'avantage numérique et gagne le match. Okay. C'est sûr, je m'en fous. Je vais tellement le faire sonner souvent que tu vas dire répondre parce qu'il va non, je vais pas dire. C'est sûr. C'est bon, là. On se croise tantôt 5 à 7, lâche pas. Salut les amis. Bye. Salut Gaston. Bye. C'était Gaston Therrien. Oui, ben c'était très bon. Merci aux gens de Facebook. On va tout de suite les saluer et les inviter à joindre la conversation sur rds.ca parce que David Perron des Blues de Saint-Louis s'en vient. Sais-tu ce que j'ai comme question? Ça? Donc, ben non. Jonathan Drouin. Ah oui, puis il en a parlé, David, Jonathan Drouin. David, as-tu eu des problèmes de commotion?
Ben, récemment, oui. Paul Byron. Ah. Des sujets, entre autres, que je vais discuter avec David Perron. Donc, merci aux gens de Facebook. On se rejoint sur rds.ca dans quelques instants. Lire vos commentaires également. Absolument. On raccroche. Plusieurs commentaires. C'est sûr que demain, on va parler du duel Blue Jackets canadien plus en profondeur. C'est sûr qu'on va parler avec Marc Denis, et évidemment. On a parlé de Price abondamment. Matrix sur notre page qui dit Bobrovsky n'est pas Reimer, avec raison. Puis Yannick dit aussi l'affaire, c'est que Bobrovsky est vraiment solide aussi. Ça va être tout un duel de gardien de but. Puis les gens, je pense que, en tout cas, moi, je suis excité de voir ce match-là. Là. On s'entend que c'est le match de l'année là, pour le Canadien-Montréal. Mais c'est ça. Les gens sont en mode prochain match. Puis c'est bien correct comme ça, mais on va en parler abondamment également demain. La plupart des commentaires qu'on reçoit par rapport aux joueurs qui devraient rentrer, j'ai vu souvent le nom de Nicolas Deslauriers. Donc, suggestion pour Deslauriers est excellente. C'est une équipe top, les Blue Jackets. Mais tu sais, moi, je suis d'accord avec toi. Rajoute Foligno, Dubinsky. Oui. Mais je suis d'accord avec Boone Jenner. Je suis d'accord avec Deslauriers, Martin. Pour vrai, là, c'est rare que qu'on est d'accord. Non, on est souvent d'accord. Ah oui? Oui. Mais si Deslauriers est là demain, pourquoi il n'était pas là hier? Pourquoi il n'était pas là contre... Je ne me souviens plus contre quelle équipe. Oui, mais ça, c'est vu dans le passé. Puis je vais te rappeler des paroles sages de Guy Boucher quand je lui ai demandé « Hey, dis-toi... » Tu sais, début de saison avait été bon pour les sénateurs. Puis j'avais dit « Tu dois avoir envie de dire à Pierre Dorion, hein? Tu voulais me mettre à la porte, hein? Ouais, » Qu'est-ce qu'il avait répondu à ça? Je ne me rappelle pas, mais je sais qu'il avait connu un si bon début de saison. Si mon but, c'était de le mettre d'en face à Dorion, hein? J'allais-tu début de saison? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ça me permet pas de trouver le power play qui va fonctionner, puis comment je vais remplacer Brady Tkachuk parce que Tkachuk était blessé. Oui, c'est vrai. Fait que ça donne à rien de vivre dans le passé. Et Luc, tu viens de vivre dans le passé. Oui, puis c'est rare. C'est rare. C'est vrai que c'est rare. C'est rare pas dans ton genre, Luc. Non. Tu me déçois. Oui, je suis désolé, Martin. Ne vis pas dans le passé. Je suis désolé. Parce qu'on les a fait, ça, ces shows-là. Pourquoi Deslauriers? Pourquoi pas Pekka? Ouais, ouais. Puis pourquoi? Mais là, il y a un blessé. Puis il faut que tu en rentres un. Puis Deslauriers, c'est la même chose. Tu sais, on fait des farces, toi et moi, depuis tantôt. Là. Mais tout ça pour dire que Deslauriers, c'est la même chose. Deslauriers ne doit pas rentrer dans la formation en disant « Hein? Ça fait 20 matchs, t'es assis, je vais vous le montrer. » Non. Je comprends. Aujourd'hui, dans le présent, pourquoi qu'on m'habille? Pour faire une différence avec mes mises en échec, pour faire une différence avec mon échec avant, pour avoir une complicité avec Jordan Will et Nate Thompson. Mm-hmm. Tout ce qui s'est passé avant ça, ah, je suis fâché contre Thompson, il a pris ma place. Je suis fâché contre Will, il a pris ma... Non. Aujourd'hui, dans le présent, qu'est-ce que je peux faire pour aider ce club-là? Et souvent, les intervenants, que ce soit Marc Denis, que ce soit Guy Boucher, que ce soit David Perron, qu'on va le rejoindre dans quelques instants, nous le disent. Un joueur de hockey, on se le fait dire constamment, puis c'est vrai, faut être dans le présent. Ouais. Même affaire pour ouais. Drouin. Ouais. Que j'ai joué 9 minutes 57, ouais. Le deux matchs, ça va lui donner quoi de penser à ça aujourd'hui? Ah, je suis d'accord avec toi. Rien. Aujourd'hui, dans point. Le présent. Fait que Luc, oui, je vais ajouter, tu sais, Nicolas Deslauriers, là. Dans le coin, Luc. Ah, je... Non, c'est pas vrai. Non, mais, tu sais, il est encore sous contrat pour l'année prochaine, Nicolas Deslauriers. Tu sais, Jordan Will ne l'est pas. Nate signé, Thompson oui. Ne l'est pas. C'est des joueurs autonomes. Mm-hmm. Je sais pas quel... Mathieu Pekka, il est encore là l'année prochaine. Ouais. Tu souviens-tu, quand il a signé son contrat, tout le monde s'est mis à capoter. Oui. Puis je te dirais que la plupart des gens sur nos pages ne souhaitent pas voir Pekka dans l'alignement. Là. C'est vraiment clair pour eux que c'est Deslauriers. Okay. J'ai vu quelques Hudon également. Là. Mais en tout cas, si je suis Nicolas Deslauriers, puis si c'est Mathieu Pekka qui est là demain, je sais pas. Je pense que je serai en tabaslac. Même pas sûr que, tu sais, autant on a dit pourquoi un tel, pourquoi un tel, pourquoi un tel. Je pense que tout le monde s'est calmé sur l'alignement récemment. Oui. Je pense que tout le ça monde. Ça va bien aussi. Hein. C'est pas un clear cut, c'est pas une décision facile non. Pour tout le monde de dire c'est lequel. Je pense que même les gars du Canadien vont être dans la chambre et vont faire hey, on rentre qui. Oui, c'est vrai. Oui. Dale Weiss. Ouf. Ben, je sais pas. Regarde. Dale Weiss. En tout cas, j'ai pas vu Dale Weiss dans les commentaires dans les aucun suggestions. Dale Weiss. Aucun. 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 Dale Weiss. Pourtant, il y a eu des auditions. Là. Il y a eu quoi 6-7 matchs. Ouais, là, mais il n'y a pas eu le rôle. Pas eu le rôle. Il y a eu des auditions. Mais ouais. En tout cas, c'est un candidat ouais. Potentiel. Absolument. Quand même. OK. Commentaires. Amenez vos commentaires sur le rds.ca, sur notre blog, bien sûr. Vous avez des questions pour David Perron, gênez-vous pas parce qu'on va aller le rejoindre tout de suite. David Perron, salut. Comment ça va? Salut Martin, ça va bien? Ça va bien, toi, direction pour l'entraînement à l'aréna. Ça doit être le fun ce temps-là parce qu'on dirait que vous savez pas comment perdre. Ouais, exactement. Non, c'est sûr que notre équipe, c'est très plaisant en ce moment. Le turnaround qu'on a eu depuis le début janvier, c'est vraiment intéressant.
Ça commence à sentir le hockey printemps, c'est le fun. Je pensais pas que tu jouerais modeste de même. OK, d'abord, je vais le dire autrement, OK, pour que les gens comprennent. Les Blues de Saint-Louis cette semaine ont non seulement pas perdu, depuis qu'on s'est parlé, David, vous avez battu Détroit. Tu vas me dire, OK, Détroit, ils ne sont pas en série. Tampa Bay, 4-3. Et l'équipe de l'heure de la Ligue nationale de hockey, Vegas, 3-1. Là, ma question est-tu plus claire? Comment ça que vous êtes aussi... Tu sais, moi, là, tout le monde dit, s'il y a une équipe je ne veux pas affronter au début des séries, c'est bien Tampa. Je m'excuse, là. Saint-Louis, vous venez de battre deux gros clubs. S'il y a une équipe je ne veux pas affronter en début de série, c'est vous autres. C'est sûr que c'est intéressant de voir notre équipe. Puis qu'est-ce que j'ai aimé de notre semaine, autre qu'évidemment gagner chaque match. Même avec la victoire contre les Oilers, c'est une victoire convaincante, je pense 7-2. Marquer beaucoup de buts pour une équipe, puis on avait de la misère à marquer des buts par moment. Après ça, on joue contre Détroit, puis oui, c'est une victoire qu'on doit absolument avoir. Mais les Red Wings, ils ont quand même chopé Vegas, ils ont joué du bon hockey dernièrement. En fin de saison, même si c'est difficile de jouer contre des équipes qui sont dans la merde hors des séries. Donc, on a trouvé le moyen de gagner, même si c'est pas un match parfait contre Tampa Bay. On a un super bon début de match, on gagne 3-0, ils reviennent dans le match. Encore une fois, on a trouvé le moyen de gagner, même après avoir laissé le Lightning de retour dans le match, avec un but super inutile, là, on était en avantage numérique. Il y a eu un face-off dans notre zone, puis ils ont eu un but trop facile à. C'est selon notre opinion. Puis encore une fois, ben, contre les Golden Knights, il n'y a pas eu énormément de chances de marquer. Ça a été un match très serré, puis on a trouvé le moyen de gagner. Donc, c'est signe d'une bonne équipe de gagner de différentes façons. Puis même quand tu ne joues pas ton meilleur match contre les Red Wings, ben, on trouve le moyen de gagner 5-2. C'est des gros points pour nous autres. Mais hein, mets-tu encore de l'argent sur le tableau quand tu affrontes Vegas ou c'est juste la première fois? Non, jamais encore. Je pense que c'est toi qui tue le reste de ta carrière, donc en espérant que je joue pas pour d'autres équipes après les Blues. Pardon. C'est pour ça que tu es retourné à Saint-Louis, tu as dit hey, jamais déjà contre Pittsburgh, Anaheim. Oui, exactement. Non, regarde, c'est pour le fun. Puis à la fin de l'année, on a des parties d'équipe ou durant la saison des soupers d'équipe. Ça paye pour des choses à même. Des fois, on va faire des dons de charité. Donc, pour une bonne cause, pareil. Tu te sens le même montant ou des fois, quand tu veux plus gagner, tu en mets plus? Oui, selon la situation, je pense que c'est un feeling que tu vas avec. Puis évidemment, c'est un gros match pour nous autres. on a une chance en ce moment, là, si on continue à gagner nos matchs, là, de peut-être rattraper Nashville, de peut-être même, on ne sait jamais, Winnipeg, on est à 4 points en arrière de eux. Donc, on va y aller jusqu'au bout. On a des grosses parties à jouer puis des gros points à accumuler. Bon, ben c'était ma prochaine question. Tu sais que tu es à 4 points de Winnipeg. Deux choses là-dedans. C'est un, imagines-tu où c'est que vous étiez, puis où est-ce que vous êtes rendu? Puis deux, si tu le sais, c'est parce que vous en avez parlé. Finir premier, ça veut tout dire. Ça veut dire que tu n'affrontes pas Nashville au premier tour. Tu affrontes une équipe repêchée. Je ne veux pas dénigrer personne, mais c'est une place bien plus de choix que d'affronter Winnipeg ou Nashville. Bien, c'est sûr qu'on veut aller le plus haut possible, puis avoir l'avantage de la glace, tu vois, en deuxième ronde, en troisième ronde. C'est là que l'avantage prend de plus en plus forme, selon moi. La première ronde, c'est une des plus difficiles tout le temps. T'sais, même si, exemple, on finit premier, l'équipe qui finit premier qui joue contre Dallas, par exemple, c'est pas une série facile. Même si Dallas finit 8 points en arrière de toi, c'est 4 victoires sur 82 matchs. Mm. On s'entend-tu que chaque équipe peut regarder 4 matchs durant la saison, puis là, celle-là, on aurait fait gagner. Ou le contraire, même entre une victoire, celle-là, on ne la méritait pas, donc. La différence est tellement minime que, selon moi, ça ne change pas énormément grand-chose. Mais oui, plus que tu avances, je pense que c'est là que l'avantage peut prendre forme. Donc, les Blues, on ne va pas reposer personne. On y va jusqu'à la fin. Ah, ben ça reste à voir. Là. On a trois autres congés entre le prochain match là, contre les Rangers. Puis là-dessus, c'est très important. Là. Je ne suis pas sur le sang dans ma voix. Je suis un petit peu grippé. Puis la plupart des gars sont dans notre équipe. Donc, c'est trois jours qui vont me faire du bien. Parle-moi donc des trios, là, je regardais ça tantôt. Shen n'est plus au centre, est rendu à l'aile avec O'Reilly. T'es sur une ligne avec Schwartz et c'est Sundqvist qui est sur au centre de ton trio. Robert Thomas qui est à l'aile avec Bozak et Maroon. Ça donne une bonne profondeur, mais on dirait que c'est un peu mêlé par rapport à ce qu'on pensait que ça allait être au début de l'année. Ben effectivement. Là, je pense que quand il y a eu des blessures, quand t'arrives au mois de janvier, puis je pense qu'à un moment donné, Jaden Schwartz n'a pas la saison offensive qu'il espérait jusqu'à date. Puis je pense que
la plupart des équipes ne marquaient pas beaucoup de buts à un certain moment donné. Donc, ils ont essayé Braden Shen à l'aile avec O'Reilly. Puis Tarasenko, ça a super marché. Ça l'a donné quand je me suis blessé, justement. Donc, ça a marché bien pour eux autres. Puis depuis ce temps-là, l'équipe n'a pas perdu de match vraiment là, quand sont les trois ensemble dans l'alignement. Donc, c'est un positif, je pense, pour l'entraîneur d'avoir différentes recettes. Je pense qu'il y a aussi l'entraîneur, si on arrive en série, puis qu'il trouve qu'il y a besoin de Braden Shen au centre, ben, tu sais, il peut me remonter avec O'Reilly, des choses de même. Donc, il y a plusieurs formations qui ont marché jusqu'à date pour notre équipe. Puis, c'est tant aussi longtemps qu'on gagne, je pense qu'il ne va pas changer de trio non plus. Là. On a parlé un peu, la dernière fois qu'on s'est jasé, du gardien de but Binnington, Jordan Binnington. Question comme ça, j'ai posé la même question pour Carey Price. En dépit de son début de saison, s'il réussit à rentrer Canadien en série, est-ce qu'il doit être considéré pour le Vezina? Puis on s'amuse et on jase avec ça. La question se pose pour Binnington. Je regardais, écoute, il y a juste 4 défaites, le gars. Il domine la Ligue nationale de hockey depuis qu'il était remonté pour le pourcentage d'arrêt qui est hallucinant à 930. Il y a 1, quelque chose de moyenne. Toi qui es un puriste, David Perron, est-ce que Binnington peut être considéré pour le Calder même s'il n'a pas commencé l'année? Ah oui. Pour le Calder, définitivement, regarde, s'il continue de même, il reste 6 matchs, là, je pense, dans notre saison, donc j'imagine qu'il va en jouer au moins 4-5 de ceux-là, en espérant d'avoir 4-5 victoires encore une fois. J'aime comment il est calme, hors glace, sur la glace. Il a une confiance, je sais pas comment le dire autre, là, mais une confiance silencieuse qu'il sait qu'il va performer, puis ça, c'est même avant son premier match, on dirait. Tu sentais qu'il était un petit peu cocky, le jeune, puis c'était le fun à voir. Je pense que pour se rendre au niveau de la Ligue nationale puis pouvoir performer, ça prend ça un petit peu. C'est impressionnant qu'il ait trouvé son niveau de jeu à l'âge qu'il est rendu. Là. Qui est le meilleur dans la pratique, toi, lui? Il est difficile à marquer dans la pratique, ça, je dois l'accorder. Sans trop... quelques points là, de ses points forts, selon moi. Là. Mais il y a une couple de petites affaires qui fait différent des gardiens de but, puis ça rentre dans la tête des joueurs de la façon dont ils se positionnent. On a des instincts en tant que scoreur. Quand tu arrives dans ce slot, tu n'as pas beaucoup de temps, tu n'as pas vraiment le temps de regarder au filet parce que tu as un gars sur le dos, peu importe, ou un bâton qui va arriver sur ton bâton très rapidement. Donc, En tant que marqueur, on a tout le temps le filet dans notre tête, il est où? Sans besoin de regarder, on va shooter low blocker, on va shooter high glove. Puis, mais lui, la façon dont il se positionne, ça va venir frustrer les joueurs. Donc, en espérant que ça va marcher jusqu'à la fin de l'année. J'aime ça. Donne pas ces trucs. Il y a des gens de Winnipeg et de Nashville qui nous écoutent. Exactement, on sait jamais. On est worldwide là, sur le podcast. Hey, puis on a gagné un prix canadien, fait que ça le dit, c'est dans le titre. OK, Canadien l'a emporté hier 6-1 face aux Panthers de la Floride, un match que Canadien avait beaucoup à perdre. Ils perdent les 2 points contre une équipe qui est visiblement plus dans la série, puis ils perdent des joueurs à une équipe qui pourrait vivre des moments de frustration à 6-1. Puis Canadien a perdu Paul Byron en début de match, qui a voulu répondre de ses actes il y a quelques matchs de ça. Laisser tomber les gars contre Uyghur, puis il s'est fait sonner solide. J'ai pensé à toi. Aussitôt que je pense commotion à cette heure, David, je pense à toi. Qu'est-ce que tu as pensé de Paul Byron qui a voulu répondre de ses actes, qui a répondu à l'appel de Uyghur, puis le Canadien risque de le perdre pour un bon bout? Je suis pas vraiment d'accord non plus avec ça. Là. Encore plus avec le résultat qu'on a vu. Là. C'est vraiment plate. Puis je pense que la raison qu'il n'a pas à répondre à ce geste, c'est que Paul Byron, c'est pas un joueur de même en général. C'est un joueur qui joue très honnête depuis le début de sa carrière. Puis c'est sûrement une bad luck. Je me rappelle pas de sa suspension, là, mais c'est sûrement une bad luck qui est arrivée. Donc je trouve ça désolant. J'espère juste qu'il se sent bien en voulant dire. C'est sûr qu'il ne doit pas se sentir bien aujourd'hui. Là, sachant que quand j'ai passé au travers de ça, je sais comment ça marche. Mais en espérant que d'ici une semaine, deux semaines, il va bien sortir puis que le Canadien de Montréal va faire l'initiative puis il va être prêt à commencer avec eux autres. C'est l'honneur du joueur qui répond même, David, tu sais, quand le gars dit « Ah ouais, le gros, laisse tomber les gars, on va régler. » Je présume que tu as été invité 1000 fois puis que tu as dû décliner à quelques occasions. Bien, c'est sûr que ça l'a dit 20 fois, puis même il y a certaines situations que moi-même, ça me t'apprend. Puis il y a tout le temps une petite lumière qui me sonne en arrière de la tête. Regarde, ça vaut pas la peine. Justement pour qu'est-ce qui est arrivé à Paul Byron. Soit il y a une autre commotion, soit tu te casses la main.
Je peux pas te garantir que ça n'arrivera pas d'ici la fin de ma carrière, mais en même temps, je vais essayer que ça reste la même. L'autre sujet fort à Montréal présentement, c'est l'utilisation de Jonathan Drouin. Puis, tu sais, Claude Julien a parlé, on voudrait y en donner plus de minutes, mais il faut qu'il nous en donne plus. Puis, on aime Jonathan, puis on veut travailler avec lui. S'il y en a un dans sa vie qui a eu des roller coasters, tu sais, même cette année, là, gros début de saison, après ça, tu as été laissé de côté, puis là, tu n'es pas arrêtable, d'ailleurs, pour les gens qui ne savent pas, depuis que tu es revenu, 6 points en 6 matchs. Si tu soupes avec Jonathan, tu dirais quoi? Ouais. Mais regarde, tu as une chose à faire en tant que joueur quand tu passes une situation difficile. On l'a même vu avec David Baquet, ça m'a dit à Boston, il avait une entrevue assez intéressante. C'est pas compliqué, là. Tu vas travailler lors des entraînements. Tu focuses sur toute ta préparation, tout ce que tu peux contrôler. Tu le contrôles, puis le reste, mais tu le laisses à l'entraîneur. Lui aussi a des décisions difficiles à prendre. Puis c'est sûr que moi, dans ma situation, j'étais peut-être un petit peu plus vieux, un petit peu plus expérimenté en ce moment que Jonathan. Donc oui, cette année, j'ai des conversations avec l'entraîneur un petit peu plus corsé. Mais je pense que de son côté, là, avec la situation qui est arrivée aussi à Tampa Bay, la seule chose qu'il faut qu'il prouve à tout le monde, qu'il prouve à ses coéquipiers qu'il est capable d'accepter cette situation-là, travaille extrêmement fort, puis je pense que tout le monde va être heureux pour lui d'avoir une autre chance sur les deux premiers trios avec plus de temps là. Il faut rappeler aux gens là, que la semaine passée, c'est pas parce que tu as des conversations corsées avec ton coach que tu l'aimes pas. La semaine passée, tu as fait l'éloge de ton entraîneur pendant le podcast. C'est pas parce qu'on a des conversations corsées qu'on s'aime pas. Non, exactement. Je pense que on est rendu à ce niveau-là pour une raison, puis c'est exactement ça, là, de mon côté, que Craig Berube, je le répète, là, c'est un de mes plus grands supporters depuis le début de la saison, donc je suis fier de ça. T'es pas tanné des histoires de Cendrillon comme Vegas, puis là, cette année, partir de la dernière position, puis remonter ça quasiment jusqu'en première, t'es pas tanné? Bien, honnêtement, on est mieux d'être dans une position de même, que le contraire, que en début de saison, les attentes étaient tellement élevées que je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas réussi à répondre à ça. Une fois que les attentes ont baissé, on a juste joué au hockey, on s'est amusé, on a travaillé fort, puis on a vu notre saison virer de bord. Donc, ça a fait une grosse différence de ce côté-là, puis on espère encore une fois de continuer à prouver aux gens qu'on a une bonne équipe. All right. Lâche pas, je sais que t'es 6-6, mais t'es 0 à tes deux derniers matchs. Fait que quand tu me parles, tu sais ce qui va t'arriver. L'explosion offensive s'en vient, David. Let's go. Merci, Martin. Merci beaucoup. Merci, David. Toujours le fun de te jaser. David, qui sont encore en congé demain, jeudi. Puis après, c'est vendredi, un 2 en 2 avec les Rangers et les Devils. Donc, les Blues vont prendre l'avion en direction de New York. Juste mentionner une petite mise à jour. Le Canadien a envoyé une mise à jour concernant Paul Byron, qui n'accompagnera pas l'équipe à Columbus, mais pas plus de détails pour le moment. Probablement qu'il va subir des examens plus approfondis au cours des prochains jours. Visiblement, ça va, Martin? Visiblement, il y a un joueur qui va rentrer. Ça, on va savoir possiblement demain seulement, parce que les Canadiens ne s'entraînent pas aujourd'hui, journée de voyagement. Demain, il va s'entraîner à Columbus. Donc, on espère, en parlant avec Marc Denis demain midi, qu'on aura plus de réponses quant à l'alignement du Canadien. À Columbus, fait le voyage avec l'équipe. Donc, les seuls détails qu'il pourra avoir, c'est ce qu'il aura avec l'équipe et qu'on aura tous sur Twitter, malheureusement. Bref, ce sera un match écœurant demain face aux Blue Jackets de Columbus. Les deux équipes qui sont nées à nées. Hein. Si les Blue Jackets gagnent leur match en main, les deux équipes ont le même nombre de points. Ils sont 2 points derrière le Canadien avec un match en main. Ça serait intéressant. C'est intéressant également d'entendre David sur la saison des Blues qui était dernier dans la conférence. Oui. T'as 4 points les Jets de Winnipeg, puis eux autres, ils pensent pas. T'sais, on aurait pu dire qu'ils vont essayer de finir en avant de Nashville pour avoir l'avantage de glace. Non. Winnipeg. Ce qui leur permettrait d'affronter une équipe repêchée. Et l'autre chose qui était intéressante, bien sûr, Paul Byron. Ouais. Je pense qu'avec ses histoires de commotion, il dit des fois, ça me tente, tu sais, j'ai eu le feu au derrière, mais une petite lumière qui allume à un moment donné, puis ça fait ding, ding, ding. Ouais. On n'a pas le temps. Ouais. Et, Jonathan Drouin aussi, c'était intéressant. Là. Drouin, travail. Tu sais, Jonathan Drouin, au cours de la dernière semaine, là, il y avait des entraînements facultatifs, puis il était sur la patinoire. Absolument. Il était sur la patinoire. L'expérience, ce que David parlait de l'expérience, un joueur plus vieux qui a du vécu, peut-être un super gros rôle à jouer là-dedans. La façon que tu te prépares, la façon que tu,
puis tu t'entraînes. Comment tu réagis? Comment tu réagis? David a eu la tape ses doigts encore cette année. Est-ce que c'était mérité ou pas? Est-ce que c'est vraiment important dans l'histoire? L'histoire dit qu'il est revenu puis il a planté un point par match depuis ce temps-là. Tu sais, puis qui dit aux journalistes Jonathan Drouin, c'est vraiment pas important, là. On peut avoir une mauvaise perception de comment il sent, comment il se prépare, comment il visualise son match. Mais effectivement, puis David l'a mentionné, c'est le travail puis c'est l'expérience. Vite, vite, comme ça, là, sur notre page, là, mettez-vous au clavier. Là. Je vous pose une question. Ni moi, ni Luc, on avait la réponse. Il a fallu qu'on cherche. Oui. C'est qu'on veut être sûr que vous ne cherchez pas. Pour vrai. C'est pas évident. Là. Comme ça. Là. Vite, sur le fly. Là. Vous êtes à vos claviers, prêts? Question la suivante. Bennington est dans la formation des Blues. Il fait duo avec Jake Allen. En début de saison, Bennington était dans la Ligue américaine de hockey. C'était Jake Allen et qui, les gardiens de but à Saint-Louis? Qui était le second de Jake Allen? On attend vos réponses. Tout de suite, là. Bang. On attend vos réponses. Pas de Google, là. En attendant les réponses, puis j'ai hâte de voir ce que vous avez suggéré. Quelle comme, vitesse? Comme non. Surtout à quelle vitesse? Commentaire qu'on a reçu, on parlait des Blue Jackets tantôt. On va en parler évidemment demain. Les Blue Jackets sont de bien meilleurs effectifs que le Canadien, mais j'ai l'impression que le Canadien est une équipe. C'est un bon point, tandis que les Blue Jackets sont juste un paquet de bons joueurs lancés comme ça n'importe comment. Ils ont eu de la misère depuis, mais tu sais, ouais, hier, le match, replacés, là, le match d'hier, c'était un point d'exclamation parce qu'ils ont battu une équipe qui a du succès et un gardien de but qui avait leur numéro. Parce que Thomas Greiss, ses statistiques avant le match, était tout simplement hallucinant. Absolument. Quelqu'un disait, j'essaie de relire, remonter le commentaire. Là. Les gens répondent. Elliott, non. Housseau, non. Et Nolan a eu la bonne réponse. Là. Déjà, est rentré? Oui. Chad, ton ordinateur, ça rouvre avant. Oui, mais je pense que c'est un. Parce que je l'ai. J'ai fait un rafraîchissement plus rapide. Parce qu'il y a ça. C'est Nolan qui a la bonne réponse. C'est les Ducks d'Anaheim. Chad Johnson, qui était réclamé au ballotage. On a dû chercher, moi et Martin, parce que je m'en souvenais pas, moi non plus. Très fort. Très fort. Non, Gus répond Hutton. Non, ça, c'était... Hutton, il était là l'année passée. Oui, il a dit avec les sables. Stéphane a la bonne réponse. Chad Johnson, Stevie également. Jambon Tremblay. Jambon Tremblay? C'est son nom? C'est un drôle de prénom, ça. Il dit Ron Extall. On vient de l'avoir sur Messenger. Luc Paquette, on jase Chad Johnson. Non. Excellent. Hey, vous avez été rapide quand même. Quand même. Parce que c'était pas évident. Dans mes vieux souvenirs, là, c'était pas Chad Johnson qui était là. On a été obligé de fouiller. Et voilà, mon cher Martin, ça complète le Rocket de... Je vais dire le Rocket de Montréal, le Rocket de Laval sur nos ondes RDS ce soir. Vous pourrez voir évidemment les espoirs du Canadien. Puis je vais me permettre une question qu'on a reçue là, en se posant la question qui devrait être de l'alignement demain. Je me souviens plus, il y a un auditeur qui a posé la question, est-ce qu'il y a un joueur du Rocket qui pourrait venir nous prêter main forte au Canadien de Montréal? La réponse est non. Non. Puis, pas d'attaquant. Non. Puis j'aimerais ça, c'est parce que je suis pas assez, j'ai pas pensé. Je m'en veux un peu. J'aimerais ça saluer quelqu'un qui a pris la peine de m'écrire sur mon compte personnel au sujet du podcast. Et là, ça dérape, là. Grand Fjord. Tout. OK. Excuse-moi. Puis je suis pas assez bon, je le trouve pas. Bon. C'est un gars qui... on va le garder pour demain. Je ne sais pas si c'est sur Ongeas qui a écrit. Je ne peux malheureusement pas t'aider. Attends une seconde, là. Non, c'est pas lui. Mais je vais faire... Allez, je me sens en poche. Ouais. J'aurais dû me préparer avant. Il y a quelqu'un qui nous a écrit un beau message sur le show, puis je le ferai en ouverture de show demain. Quand je vais me prendre une note. Super. Pour demain. Excellent. Puis je voulais pas l'oublier, puis je l'ai pas oublié, mais je me souviens plus, tu me connais, je me souviens plus sur quelle plateforme il m'a écrit. Fait que ça a l'air qu'avant, non? Pas trop. Okay. Demain, gros match Blue Jackets canadien, mais nous, on va être là dès midi avec Marc Denis en direct de Columbus, et également, on aura... Mais Thursday, Alex qui sera avec nous demain. Pas de faire ça. Un show où on vous jase, puis qu'on a Marc Denis puis Tanguay en invité. C'est pas gênant. C'est pas gênant du tout. Soyez là, vous avez des questions pour Marc Denis à la veille de ce match très important. J'aimerais ça, passer vos questions à Marc. Soyez là demain midi pour une autre édition de On jase. Merci à Guillaume au Piton à la mise en onde. Et merci à toi, Luc, en direct du Nid des Alouettes. Hey, c'est bon, ça. On va essayer de faire revivre ça à un moment donné. On va faire... Ouais, j'aime ça. Mais d'ailleurs, là, moi, c'est le Nid des Alouettes. Là. Toi, y a-tu un endroit où est-ce que tu voulais pas être en onde? Le show est fini. D'accord. Demain, je te repose la question, je vais me prendre une note. On se rejase demain midi. Bye.